Les plus jeunes d'entre vous ne se souviennent probablement pas des 3T. C'était un boys band à la mode il y a 7 ans maintenant. Ils reviennent aujourd'hui et cette nouvelle nous a tout de suite plongé dans un bain de nostalgie. Ah, 1996, souvenez-vous. C'était l'époque bénie des boys bands. Les Backstreet Boys, les 2B3, Alliage ou encore Boyzone. Tous ces garçons prépubères qui se trémoussaient en rythme pour notre plus grand bonheur. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils nous rendaient toutes folles. Mais c'est trop beau! Et puis, il y avait les 3T. Ils étaient frères. Ils étaient surtout les neveux de Michael Jackson. Oui, c'est vrai, le soutien de sa famille, c'est important pour débuter dans la vie. En quelques mois, Taril, Taj et TJ avaient conquis toute une génération. Et plus rien. Nada, disparu pendant 7 ans. Stop ! 7 ans, 7 ans ? Attendez voir. Mais c'est qu'ils ont 30 ans, les 3T, maintenant ! Oh, c'est dingue, ça ! Ils n'ont pas bougé d'un sourcil. Ou presque. Vous me direz, c'est normal. À force de jouer près du caisson à oxygène de tonton... Les médias ne s'intéressent qu'à notre image. Mais c'est la musique qui compte. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe à quoi vous ressemblez, si la chanson est bonne, vous devez réussir. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me parlent comme un gosse, alors que je suis plus âgé qu'eux. C'est assez intéressant. Tout a continué. Si les 3T n'ont pas changé, le monde, lui, a bien évolué. Les boys bands ne sont plus vraiment à la mode et on pensait que les 3T étaient partis avec l'eau du bain. En fait, non. Les fans ici sont formidables. Ils nous ont accueillis à bras ouverts pour notre retour. C'est tellement bon de savoir que notre musique d'avant a eu un tel impact sur ces gens qui sont encore là à nous attendre. On revoit des visages d'il y a 6 ans. Il y a aussi des fans tout nouveaux, c'est super. Merci les fans, car étonnamment, ça marche de jouer les Papy Boys Band. Leur reprise de Lionel Richie, Stuck on You se vend comme des petits pains. Faut dire qu'ils sont aidés. C'est un très vieil ami de la famille. On le connaît depuis longtemps. On est même allé à l'école avec sa fille. Reste une dernière interrogation. La question que tout le monde se pose, qu'ont-ils bien pu faire pendant 7 ans? De la théologie? Des recherches sur le génome humain? Une étude sur le secret de la jeunesse éternelle? Nous avons écrit et enregistré des chansons la majeure partie de ce temps. Nous sommes aussi retournés à l'école pour reprendre nos études et parfaire nos connaissances. Et c'est cette persévérance, ce courage et cette volonté que nous tenons à saluer. Revenir comme cela après si longtemps sans rien changer ou presque et connaître le même succès, bravo! On en connaît qui aimeraient bien connaître la même fortune, pas vrai ?